a des fois où le lait est irremplaçable. Par exemple, quand t'as fini de manger, y'a rien comme un bon grand verre de lait. Ou avec ma recette secrète. Et du lait, c'est bon à rendre. Ou encore, le lait, ça se boit. Avec la crème à glace, tu la glaces comme au hockey, hein, Linel? Le lait, c'est franchement meilleur, de toutes les façons. Franchement, franchement, franchement. Mais voyons. Oh oui, petit futé. Coucou, Prudence. Allons, allons, les amis. Regardons ce qu'une boîte à lunch doit contenir. Des produits laitiers, des fruits, des légumes. Mais n'oublie jamais de les laver avant d'en manger. Tu peux aussi y ajouter des viandes froides. Ta boîte à lunch, c'est important. Parle-en à tes parents. Métro, par ce message, s'intéresse à la qualité de vie des vôtres. Les soldes d'après-Noël peuvent être de véritables boîtes à surprises. Certains surprennent plus ou moins, d'autres sont carrément surprenants. Mais aucun ne vous surprendra autant que le solde du lendemain de Noël chez Zellers. Épargnez jusqu'à 40% sur les vêtements de sport pour hommes et jeunes hommes. Et c'est tenu pour dames à compter de 12,97 seulement. Épargnez également jusqu'à 40% sur les soutiens-gorge Daisy Fresh et Wonderbra. Surprise en boîte ou boîte à surprise, le lendemain de Noël, le solde le plus surprenant est chez Zellers. Toi, c'est nos amis, on va les inviter au château. Oh, c'est vrai, salut. On t'attend, grand-mère, grand-père, Frisson et moi, tous les jours de la semaine de 11h30 à midi. Puis là, on va bricoler, on va apprendre plein de choses, puis on va jouer des tours. Alors, oublie pas, tous les jours de la semaine... 11h30 à midi! Pas le temps, c'est le jour de l'an. De la graisse végétale et du sucre. Voilà, j'ai pas de mes oubliettes. Merci beaucoup, au revoir. Oui, oui. Oh, et oh, petit furet. Oh, oui. Que dirais-tu d'un bon chocolat chaud, hein? Nous pourrions bavarder un peu. Oh, désolée, mademoiselle Bric-à-Brac, mais je n'ai pas le temps. Un autre jour, peut-être? C'est ça, un autre jour. Au revoir, à ce soir. C'est ça, à ce soir. Oh, monsieur Arestin, bah, vous tombez bien, j'avais justement envie de bavarder un peu. Oh, désolée, mademoiselle Bric-à-Brac, mais pas le temps de faire la causette aujourd'hui. Ah. Avez-vous oublié que c'est ce soir à minuit, le jour de l'an? Ah oui, je sais, mais justement, nous pourrions profiter des dernières heures pour causer de tout. Mademoiselle Bric-à-Brac. Oui? Je suis pressé. Bon, bon, alors, que puis-je faire pour vous, monsieur Expresso? Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Gabois, je ne te demande que quelques petites minutes. Rouge à lèvres, je te l'ai dit, je n'ai pas le temps. Je dois voir mademoiselle Bric-à-Brac. Le Gabois, prends ta douille. Bonjour. Bonjour. Oh, monsieur Aristote, monsieur Aristote, auriez-vous trois, deux, une petite minute à m'accorder? Désolé, rouge à lèvres, mais je suis pressé. En retard, même. Une autre fois, peut-être. Mais monsieur Aristote! Madame des grands honneurs? Ah, mademoiselle Bric-à-Brac à l'appareil. Oui, c'est ça, oui. Ben, je vous appelais simplement, comme ça, pour le plaisir de bavarder un peu. Oui, c'est ça, oui. Ah, vous n'avez pas le temps? Oh. Ah, vous devez coiffer vos trois caniches pour le nouvel an. Oh, comme c'est mignon, oui. Non, non, oui, bien sûr, je comprends. Oui, oui, non. Non, non, ça, c'est ça. Nous parlerons une autre fois. C'est ça, oui. On se voit ce soir. Ah oui, c'est vrai, vous ne venez pas. Oui, bon. Ah, dommage, hein? Oui, bon. Oui, c'est ça. Au revoir. Au revoir. Mon fun! Nathalie n'a pas le temps, monsieur Arestop est pressé, Caboche est entré et ressorti comme un coup de vent, hein? Et madame des grands honneurs n'a pas une minute à m'accorder. Oh! Mais qu'ont-ils tous à courir ainsi, hein? Oh, où est passée l'époque où l'on prenait le temps de bavarder tranquillement de tout et de rien? Oh! On ne s'arrête plus! Autant suspend ton vol. Oui, c'est à croire qu'il faudra arrêter le temps pour que les gens s'arrêtent. Ah oui, oui,
Ah oui? Oui. Oh. Arrêtez le temps? Professeur, mademoiselle Bric-à-Brac à l'appareil, oui. Professeur, auriez-vous deux petites minutes à m'accorder? Oui, oh, professeur, je vous embrasse et j'arrive, oui. Nathalie, est-ce que tu veux me lire cette histoire, s'il te plaît? Pas le temps, beding bedang, j'ai des tartes à faire, la maison à décorer, la table à dresser, c'est moi qui reçois ce soir. Pas le temps? Bon. Voilà. Et maintenant, c'est le professeur Kekatpot qui vous invite à giguer sur notre prochaine chanson, la gigue irlandaise. Giga! Voulez-vous m'accorder cette danse, mon cher monsieur? Oui, oh, merci beaucoup. De votre joyeuse émission pour ce bulletin spécial. Bulletin spécial? Au moment où je vous parle, toutes les aiguilles du monde se sont arrêtées. Je dis bien, toutes les aiguilles du monde se sont arrêtées. Désormais, il sera toujours 17h40, ce qui signifie que nous ne connaîtrons jamais la nouvelle année. Je répète, toutes les aiguilles du... Mais plus de nouvel an? Oh non! Oh, mais le professeur a raison! Ma montre s'est arrêtée à 17h40. Mais pourquoi ma montre ne fonctionne-t-elle plus? On met plus de tic-tac, écoute. Oh, peut-être que monsieur Tic-Tac le temps avait un petit creux et qu'il est allé manger un petit sandwich. Allez, viens, Pudding Bottom. Il faut aller avertir les autres. Mais est-ce que je peux terminer mon sandwich? Pas le temps, pas le temps. Professeur? Comment avez-vous fait pour arrêter le temps? Grâce à mon ordinateur, j'ai entouré l'univers d'un champ électromagnétique qui a paralysé toutes les aiguilles des horloges. Professeur, vous êtes génial! Et maintenant, la phase 2 de notre plan. Gros bon sang! Nous devons trouver le moyen d'emprunter la montre de Nathalie sans qu'elle se doute de quelque chose. Mais puisque je vous dis, le temps s'est arrêté. Nathalie. Oui. Oh non. Mais regardez, maman. Elle est peut-être défectueuse.
raison. Monsieur Aristophe a raison. Ah. Moi, si j'étais toi, je la confierais au professeur. Ah. On ne sait jamais. Elle est peut-être coincée. Oui, mais la bouche m'en dit à la radio que l'on... Ah, oh, professeur! La montre de l'atelier est coincée. Coincée. Bonne nouvelle. Vous voulez que je vous la répare? Non! Rappelez-vous, professeur Thibault! Nathalie! Que... Nous perdons tous notre temps inutilement. Confiez-lui votre montre, il vous la réparera. Oui, bon. D'accord. Je vous la rends dès que possible. Bon, alors veuillez m'excuser, mais moi, je suis pressé. Moi aussi! Nathalie, tu veux jouer à cache-cache avec moi? Oui, madame, je n'ai pas le temps, j'ai des tartes à faire, moi! Des tartes? Je vais aller t'aider. Ça y est, mademoiselle Bric-à-Brac. La place est libre. SOS CBS. En collaboration avec les éditions de l'époque, Télémétropole jette un nouvel éclairage sur une de vos émissions préférées. Comment vous présenterais-je ce volume? Il s'agit en fait d'une série de réflexions que mon regard de prêtre et mon métier de communicateur m'ont suggéré face aux événements de la vie. Des réflexions portées par ma foi, parce que je suis convaincu que la foi est un atout précieux pour vivre heureux. Dans le cadre des Noëls de la Place des Arts, la Banque Nationale présente Sol, dans sa version merveilleusement farfelue du conte Pierre et le Loup. En seconde partie, Les Souliers Magiques, un magnifique conte musical de Paul Baillargeon, chorégraphié par Eddie Toussaint. Ce double spectacle pour toute la famille est présenté à la Place des Arts du 26 décembre au 4 janvier. De plus, chaque enfant recevra une carte cadeau lui donnant droit à un repas gratuit au menu enfant Saint-Hubert. Ça, c'est toute une fête de Noël! À certains moments, on peut être énervé à cause du surmenage, la lassitude, au point de ne pas parvenir à s'endormir le soir venu. Si ça vous arrive, il y a Relaxol. Relaxol est un comprimé à base de plantes reconnues pour leurs effets relaxants, tels la passiflore, la valériane et autres. Relaxol est un calmant doux qui régularise en douceur la nervosité due à la fatigue et au surmenage. Relaxol, un comprimé à base de plantes vendu dans les pharmacies et les magasins d'aliments naturels. Un produit bio-santé. Tante Sophia, tu utilises quoi pour tes cheveux? Oh, de l'eau minérale. Mais il y a encore mieux, c'est de l'eau de pluie. C'est la plus pure qui existe. Alors il faut vite monter sur la terrasse et on en aura un petit peu. Merci, Tante Sophia. Tu es vraiment une personne serviable. Kimberly est victime des mauvais conseils de Tante Sophie dans la comédie Arnold et Willy, jeudi 19h30. Mais Mouffin, mais que se passe-t-il? Oh, professeur, j'espère qu'avec votre champ électromagnétique, vous n'avez pas paralysé Gros Bon Sang en plein vol. Oh, mais non, hein? Nous avons oublié de sortir l'antenne. SOS! SOS GPS! SOS GPS! J'ai traversé l'histoire, j'ai traversé le temps. Je suis loin d'être une poire. C'est moi, Gros Bon Sang. T'as besoin de m'expliquer? J'ai tout entendu. Oh, bon, alors, merci d'être venu. Suivez-nous. Oui, oui. Oh, même les petits oiseaux n'ont pas le temps d'écouter ma belle comptine. Oh, j'y pense. Peut-être que Nathalie... Cogne, cogne, cogne. Nathalie. Nathalie. Oh, bonjour, Jolève. Bonjour, Nathalie. Écoute, ma belle comptine. La nouvelle est... Oh, Rouge à Lèvres. Comme c'est que je suis très occupée en ce moment. Mais... Tu me la liras ce soir, d'accord? Mais... Pour le moment, je n'ai pas le temps. Mais... Désolée. Mais... Pas le temps. Pas le temps. Bon, d'accord. Puisque c'est comme ça, je ne la lirai pas du tout, ma comptine. Même que je n'en écrirai plus jamais. Enfin, presque plus jamais. Nathalie! Ah, oh, professeur! Oh, vous avez réparé maman! Oui, oh, enfin, non! Vous aviez raison, elle était en parfait état. C'est simplement le temps qui s'est arrêté. Quoi? Mais,
Mais j'avais raison. Mais il faut avertir les autres. Alors récapitulons, gros bon sang. Hein? Je sors rejoindre les autres et vous, vous arrivez un peu plus tard. D'accord, monsieur Tic-Tac? D'accord, mademoiselle Bric-à-Brac. Oh, mon Dieu! Cette fois, c'est vrai. Le temps s'est arrêté. Oh, mais c'est épouvantable si le temps s'est arrêté. Ça signifie que je ne passerai jamais à l'histoire et je ne deviendrai jamais célèbre. Oh. Et moi, je resterai toujours un petit garçon. Oh, quelle belle journée pour prendre le temps de flâner sur la place publique. Mademoiselle Bric-à-Brac, ce n'est pas le temps de flâner. Mais non, le temps s'est arrêté. Regardez ma montre. Oh, c'est pourtant vrai. Oui. Oui, mais vous ne comprenez pas, vous ne vous rendez pas compte. Si le temps s'est arrêté, ça signifie que nous ne verrons jamais la nouvelle année. Le futur n'existe plus. Ah, tant mieux, ce sera l'éternelle jeunesse. Mais oui, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de demain. Oh, tant pis, j'adore le moment présent, moi. Oui, mais pourquoi le temps s'est-il arrêté? J'aimerais répondre moi-même à cette question. Oh. Je me présente, monsieur Tic-Tac. Monsieur Tic-Tac. Je suis le temps. Au travail, hein? Oui, vous nous feriez gagner beaucoup de temps. Je ne retournerai pas au travail, comme vous dites. Oui. Non, pourquoi? Si c'est parce que vous êtes fatigué, vous pouvez vous reposer ici pour quelques minutes. Merci beaucoup, vous êtes gentille, Nathalie. Mais vous connaissez mon nom? Oui, je connais le nom de tout le monde ici. Même le mien. Je suis flatté. Oui, mais voilà. Moi, personne ne me connaît, tout le monde se fiche de moi. Non, pas moi. Vous courez tous comme le petit lapin dans Alice au pays des merveilles. Pas le temps, pas le temps, pas le temps de dire bonjour. Pas le temps de dire au revoir, merci, bonsoir. Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Bien, c'est que nous sommes très occupés, n'est-ce pas? C'est la veille du jour de l'an quand même. Mais justement, en cette veille du jour de l'an, vous devriez prendre le temps de vous arrêter un peu, de parler avec vos parents, vos amis,
de les écouter aussi. Tant pis si votre discours n'est pas tout à fait prêt, ou si votre maison n'est pas décorée comme le château de Versailles. Vous arrêtez 10 minutes dans une journée pour rendre vos amis heureux. Est-ce trop vous demander? Voilà des siècles que je regarde les gens courir. Puisqu'ils ne s'arrêtent jamais, j'ai décidé, moi, de m'arrêter. C'était la seule façon de leur faire comprendre. Mais vos aiguilles ne tourneront plus jamais, jamais, jamais. Pas avant que vous me prouviez que vous pouvez prendre le temps de vivre. Ouais. Ah, salopette, facile, regardez-moi. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis? Et puis quoi? Oui. Vous n'avez rien vu? Je suis resté arrêté pendant 10 longues secondes à ne rien faire. Ah, oui. À prendre mon temps. Est-ce que ça vous fait plaisir? Tu n'as pas compris ce que signifie prendre son temps, Caboche. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tic-tac. Oui, j'y peux. Monsieur Tic-tac. Oui. Est-ce que vous aimez les belles comptines? Ah, mais bien sûr. Rouge à lèvres. Veuillez l'excuser, monsieur. Elle est un peu, vous savez, spontanée. Rouge à lèvres. Monsieur Tic-Tac n'a pas le temps d'écouter vos sornettes. Nous sommes en train de régler un problème sérieux. Mais ça ne sera pas long. Ça y est. Mais j'ai tout compris. Vas-y, Rouge à lèvres. Nous t'écoutons. Et prends tout ton temps. Nous ne sommes pas pressés du tout. N'est-ce pas, monsieur Tic-Tac? Bon, tu as tout compris, Nathalie. Ah non, vas-y, Rouge à lèvres. Je suis certaine que c'est très joli. La nouvelle année s'en vient comme une lettre que l'on attend. Qu'est-ce qui sera écrit dessus? On le verra au jour de l'an. Profitons de ces dernières heures pour nous arrêter, pour échanger, pour laisser parler notre cœur et regarder le temps passer. Rouge à lèvres, tu as vraiment beaucoup de talent. Oui, bravo. J'ai un petit peu copié sur un poème que j'aimais, mais presque pas beaucoup. Eh bien, moi, je suggère que votre magnifique comptine soit épinglée officiellement sur notre tableau d'affichage. Non, mais vous rendez-vous compte, monsieur Tic-Tac? Monsieur Tic-Tac? Mais la montre s'est remise en marche. Mais quelle heure est-il en ce moment? 3 minutes avant minuit. 3 minutes avant minuit. Quoi? 3 minutes avant minuit? Tous tes cheveux pour maman. Oh mince alors. Laisse le faire. Écoutez-moi. Une vie de famille mouvementée, des réparties savoureuses. Nous vous présenterons dorénavant le jeudi à 18h30 cette populaire famille new-yorkaise dans la comédie Cosby. CFTM 10, la télévision de Montréal. J'aime, c'est la passion. J'aime, c'est l'aventure. La lurie de style, c'est une star. J'aime vraiment extravagant. L'énergie, le rock et la danse. J'aime, la musique est super. J'aime, le samedi, 16h30. Je m'appelle J'aime. Nous sommes magnifiques, un jour nous l'aurons. Toute la famille au cinéma Berry. C'est tout d'abord le nouveau film d'André Melançon, Bac et Bottine, avec Maë Paiement. C'est aussi le premier dessin animé de Steven Spielberg, Fivelle et le Nouveau Monde. C'est aussi Pierre Richard et Gérard Depardieu dans une comédie hilarante, Le Fugitif. Et enfin, un canard venu de l'espace vous fera rire aux larmes dans Howard le Canard, une nouvelle race de héros. Au cinéma Berry, dès 10h le matin, consultez vos journaux. Ça n'est pas un jeu d'attaque à la roquette. Qu'est-ce que c'est que tout ce mystère? C'est mon équipement de culture physique. Il faut qu'on trouve ce boa avant que maman et Annie ne tombent dessus. Où est-il?
Mystère, danger, humour, les ingrédients d'une série éducative destinée aux jeunes téléspectateurs. Paul et les jumeaux, vendredi 18h30. Dans 30 minutes, cas 2000, le shérif d'une petite ville.